Les peuples loi la baie, soyons vigilants. Mfungo a macho, Mfungo la miso. Avec la fille aînée de l'Union sacrée, Fifi Masuka Saini Beto. Et suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Beto. Vive, vive, vive Fifi Masuka. Le bon choix de l'Olande, c'est Fifi Masuka. La bâtisseuse de l'Olande. Mbote na peuple congolais, mbote na balolabe na balolabe, nyon surtout partout dans le monde, mbote na balandi nyon surtout. Il y a émission congolais ya solo et sengweza ya koyeba ke boza et belé bozolanda. Moi na musala na bino Ivana Chanda Beton, la diva de la presse, votre journaliste et puis simple servante, na zaka toujours wana pona ko présenter bino émission na bino congolais ya solo bolingara mingi émission o yemela ka bino toujours bactualité na domaine politique surtout na maye matali mboka na biso Congo et surtout na Matali province ya Lualaba. To banda basango ya mukolo elo pona ko beta li solo ya message fort ya chef de l'état mwana mboka Fati Beton na ba attaque be ba menace na ye aza ko menacer mboka na biso ndenge boza ko mwana biso ke lelo to lati teni ya fort de ce ko la ki sa ke toza ko soutenir mapinga ya mboka na biso et puis toza na bango na kata mitema ko mwana ndenge baza ko bunda na est na biso ya mboka et puis baza ko lembate ko attaquer ba M23 avec force. C'est pourquoi bon moni biso to lati teni oyo mais message ya mokonza mboka et ça li vraiment et c'est ngona ba congolais nyonso koyoka ke mokonza mboka atali gaga mena miso pe alobi na yebo le fait de vouloir vivre en paix en fraternité et puis ko luka ko vivre na solidarité ezali faiblesse ya ba congolais le pays ya ko luka ko vivre na fraternité ko luka ko vivre na solidarité ko luka ko vivre en paix avec le pays voisin ezali faiblesse ya ba congolais. Ce qui osa vraiment ya solo motu humanisme ezakati na yo message ya chef de l'état Fati Beton il faut travailler na motu na yo gagame oye ba ke peuple congolais toza kanda no makasi depuis to comprendre que yonde osa na sima ya ba M23 yonde mutoza ko bundisa ekolo na biso Congo yonde mutoza ko bundisa mboka na biso ezanga kimia y compris na ba babande kono ba Rwanda oyo bayaka awa ba kosa biso ba nationalité ba zwa ba kombo ya lokuta ba bamba likolo ba kombo ba botela bango ba mikomisa ba congolais po ba bundisa mboka na biso po ba zwa richesse ya mboka na biso depuis to comprendre que ba M23 bazaki ya yogaga mena bande kono ba Rwanda to se pelona ta mukete do toza posa même ya komona ta Rwanda pembeni na biso te toza na posa même ya ko sentir te Rwanda moko boye pembeni ya Congo. Donc loin de nous, tous en posant la bino les sous-souter, tous en posant que tu as royo kata rwandais ou bien rwandaise, parce que tu comprends que bon bandi makambo bandakala, boza ko kosa na lokola, boza baninga, boza ba vazin malamu or que boza ki koli abuso c'est lelo yonyo se bimi na poisa. Donc à travers état de siège au mokonzi mboka Fati Beton, a tsila ki bongo na kotia na est na biso ya mboka lelo yo bobimi na poisa. To découvrir nani aza ko soutenir, nani aza ko financer ba M23, c'est pourquoi message à chef de l'état rwandais nyonso sika ozali soki oyo ki yango vraiment été ya yo. Merci mwana mboka Fati Beton notre président. To zonga na province ya Lualaba et pas y wapi na ko informer bino bozongi ya mama mokonzi mama gouverneur Fifi Masuka Saini a zongi journée lelo na kati ya province après séjour naye ya mukuse na kati ya Lubumbashi et pas y wapi akenda ko participer na milulu minene oyo to bengi na kombo ya DRC Mining Week 2022. Mama gouverneur a participé à Kina Milulu, wana ndenge bolanda ki wana ba émission et belé to salaki et puis ndenge to za ko loba boye na zo singa déjà na régie bala ki sakabino ba image ango ya Milulu wana ya DRC Mining Week 2022 et salamaki bongo na Lubumbashi na province ya Okatanga et pa iwapi mwana mboka Jeannette Antoinette Samba, Azaki wana présente, ye mutu a dirigé ki milulu wana ministre ya mine, ya Congo na biso. Donc, maman Antoinette Samba, a gamba ki milulu wana, et puis participation ya gouverneur Fifi Masuka Saini. Et tant que gouverneur ya Lualaba, Lualaba ou ezali capitale mondiale ya Cobalt, Azaki wana vraiment, c'est pourquoi nazo senga nanu tozonga na image totala, comment milulu wana et se pasaki, et puis Toyoka. Maloba ya mama gouverneur Fifi Masuka Saini
oyo ba pesa ki ye maloba bongo et puis intervention na ye toyoka message na ye bongo tozonga pour na ko continuer émission na biso. Merci beaucoup. Et durable en RDC. Parmi les participants, on a compté des représentants du gouvernement, des experts internationaux du secteur minier et des hommes d'affaires de Renault, dont l'objectif est de maximiser le potentiel minier en RDC. Le Lualaba, réputée province minière, a été valablement représentée à cette table ronde des miniers par sa gouverneure intérimaire. Marie-Thérèse Masuka Saini a conduit une forte délégation constituée, entre autres, des ministres de Mines, de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Économie. Dans son discours inaugural, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières a, au nom de Félix Tshisekedi Tshilombo, remercié les organisateurs du choix porté sur son pays d'abriter la 16e édition de la DRC Mining Week. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je me fais l'agréable de voir. Je remercie les organisateurs de cette édition de DRC Mining Week pour avoir une fois de plus honoré notre pays, la République démocratique du Congo, en tenant ce forum ici à Lubumbashi, ville minière par excellence. Antoinette Samba Kalambaye, ministre de Mines, a dans son allocution présenté les opportunités d'investissement qu'offre le secteur minier congolais dans plusieurs filières, notamment la filière cuprocobaltifère avec comme ressources estimées pour le cuivre à plus ou moins 75 millions de tonnes, le cobalt à plus ou moins 6 millions de tonnes. La République démocratique du Congo est aujourd'hui préoccupée à développer la chaîne de valeur de ses minerais qui lui permettra de fabriquer localement des batteries électriques et divers autres produits de haute technologie. Juste après ces discours, qui ont ponctué la cérémonie d'ouverture de ces assises, l'heure était à la visite des stands, notamment celui de la province du Lualaba qui a présenté ses matières premières. Pour des raisons sanitaires dues à la pandémie du coronavirus, l'édition précédente de ces assises s'est tenue par visioconférence, mais pour cette année, tout est revenu presque à la normale, mais dans le respect strict des mesures barrières. Poursuivant sa participation au forum de DRC Mining Week 2022, la gouverneure intérimaire du Lualaba a été parmi les panélistes aux côtés des responsables et experts des provinces sœurs du Tanganyika et du Haut-Katanga. Au cours de sa brillante intervention, Marie-Thérèse Masuka Saini a brossé le panorama des ressources tant minières qu'énergétiques de sa chère province. À ce sujet, elle a invité les acteurs du secteur minier au respect scrupuleux des lois de la République, notamment le code minier révisé, à faire un focus sur le respect des conditions sociales des employés, aussi bien qu'environnementales, et ce, de manière à permettre à tous les intervenants impliqués dans l'exploitation des matières premières d'y trouver leur compte. Que les entreprises minières respectent la liberté d'association consacrée par la Constitution de la République démocratique du Congo. La promotion de la lutte contre les discriminations et la promotion du genre. Un traitement juste et équitable pour tous les travailleurs, qu'il s'agisse des sanctions positives ou négatives. En troisième axe, les respects stricts de la législation en vigueur. Toute entreprise minière doit exercer ses activités dans un cadre légal. Après son exposé, Marie-Thérèse Masuka a offert à chacun des participants des présents constitués des documents illustratifs des potentialités de sa province, d'une tasse spéciale ornée d'une enseigne lumineuse qui montre la carte de la province du Lualaba à chaque fois que lui. Merci vraiment peuple congolais, merci na balandi surtout ya émission congolaise solo bino ba yeboko landa biso na Beton TV la chaîne de Kinshasa bino ba yeboko landa biso na kati ya Ivana Tanda Beton na rappeler bino ki toza liboso na bino lelo poto beta masolo kaka ndenge bo tu komona retour ya mama gouverneur Fifi Masuka Saini na kati ya province ya Lualaba et puis ndenge bo tu koyoka message fort ya mokonza mboka Fati Beton oyo apesi na président ya Rwanda Kagame traître reconnu oyo azaki ko attaquer mboka na biso lelo oyo abimi na mpoisa donc tout continuer émission pour na koyebisa bino ki émission congolais ya solo ezaka toujours wana pour na kolokela bino information surtout ko pesa bino yango na temps réel tozonga na mkola samedi. Kuna yeyinda ki na province ya Lualaba to stova ina kati ya province to beta mingi masolo za koleka kuna mokolo ya samedi milulu minene esalema ki bongo na kolwezi na siège ya parti UDPS milulu yango ezaki nini ezaki bongo
présentation officielle, il y a deux ministres, il y a UDPS, Oyo Basili Bongo, na Kozwa. Pouvoir sika. Oye ba pesi bango musala et pa mama beto mama gouverneur Fima Suka Sayeni. Wana tozo mona mama ministre Nathalie Ngandulunda. Donc mama Mokonzi. Liboso ya ba ya UDPS nyonso tout liboso ya ba combattant na ba combattante liboso ya bana ya UDPS. Mama ministre Nathalie Ngandulunda a manifesté ki esengo na ye ya kozwa parole. Côté Lissabandeko, côté Yabango, unité na kata province, côté Yabango, donc Bomoko, Bosangisi, Makanisi, pour na kotonga province, Ate Yaki Bongo Pe Bolingo, Mama ministre Nathalie Ngandulunda, Ate Yaki Pe Kolongwana Bokabwani, donc Kosangana, Mama ministre Azaki na posa, Yabana UDPS, nous sommes à comprendre ceci na yeke, Azaki na posa, ya UDPS, base à la Bomoko, et puis bas soutenir vision en chef de l'État, bas soutenir Mama gouverneur Oyo Mokonzi Mboka à Pessibino, poète à Kamba, province Nabino, Yalwa Laba. Tozonga na image, to yoka maloba ya ministre Nathalie Ngandulunda, bongo na zonga pour na ko commenter, il faudra commenter vidéo Oyo. Luta Gandu, je prône pour la paix, je prône pour l'unité, l'unité de mon parti, l'unité de mon pays et l'unité de ma province. Sur ce plateau, Bandeko Balandia, émission congolaise solo, Nazane Sengumingi, vraiment, ko yoka, message, ya maman Nathalie Ngandu, ministre, yajar, famille et enfants, balobi, pouvoir, oye, pesa meli, na bana ya UDPS. Ko pesa pour partir au pouvoir, deux ministres à la fois, bien que Bozarana, ba député, te na katia province. Par rapport à Bamkambo Ezaki, Nabo Kambami Yamabe Oezalaki, donc Gérance Moko Yamala Mouté Oezalaki na province Alolaba avant gouverneur Fima Suka Aya, Bozak même pas na député, parce que Bozak même considéré. Mais le lot la gouverneur Fima Suka na Bolingwaza Nango, à reconnaître parti au pouvoir UDPS, à Pessibino deux ministres. Merci vraiment. Na, Milouluana na bandekonyo stu ya UDPS koloezi sauf na monika ka absence ya mutu moko na yebite na boza esu na UDPS te bo pes langa vie saiza mbote na ye vie saiza na moni yote na Milouluana na zo komponte yo skole uzo komi na UDPS wapi
comme il a IDP sur Wapi. Pour IDP, il y a solo solo yango wana. Tomoni pe ba symbole salemi, maman ministre, na papa ministre, ba kena maboko mi balé, ba tie maboko na bango ba décoré mire. Et la kisike misala e bandi et puis et la kisike suni ya bolingo. Maboko na bango eza polele pour na ko servir parti, pour na ko servir province, pour na ko servir donc balola bena balola bez nyon surtout oyo bazali na kati ya province ya Lualaba. Merci mingi vraiment tozonga na ba infrastructure poto beta masolo ya botongi ya banzela na kati ya province to beta masolo ya construction to beta masolo ya réhabilitation o eza ko salema na bokasi ya mama gouverneur Fifi Masuka Saini to beta masolo ya débit ya ba travaux sur avenue Lualaba na quartier quartier Kasulo eza na commune ya Manika misala ese bandaki déjà ndenge bozo mona na ba image déjà eza koleka na ba photo eza koleka tozana mwa petite vidéo eza wana o tozola kisabino ndenge bazaki déjà ko banda avant ko couler ko tcha coudron ba bandi ko tcha besoin kol wana ba tchaka na prince misala ese bandaki déjà wala siko ndenge bozo mona bazako sopa kol wana wo ekanga ka coudron parce que misala eza déjà ko avancé. Maman Fifi Masuka ça lance qui déjà message na ba entreprise nyonso baza ko tonga na lola ba ke tozana temps ebele te ya construction du sous. Donc ba chantier nyonso to ezo ki ba retard pour na saison de pluie na minute tozana saison sèche. Il faut to accélérer ba travaux, il faut misala ikende rapidement po timbula ezo nga ikuta déjà lola ba ba chantier nyonso to ezala inauguré. C'est pourquoi to la kisabino na no début ya ba travaux wana ya avenir Lualaba ezali na quartier ka Kasulo na commune ya Manika. En tout cas, tozo pesa coup de chapeau na mama gouverneur Fifi Masuka Saini. Tozo pesa coup de chapeau na entreprise Muska, ezali entreprise ya mwana mboka ya mtu asimbi pe na masolo ya construction ya banzela na kati ya province ya Lualaba. Donc ezo sala biso bien komona ke bisala ezo kende toujours. Nazo pene sengo mingi ya kulakisa bino video oyo malgré que monsieur soba kobeta mabaku biso toza batu ya kosangisa toza batu ya kokabolate lit na biso nde na utako yebisa na video na sala kina butu lit na biso mingi mingi ezaki ya kokongola batu nyonso to obazaki na kamususu oba ba mikomisa ki benemi ya gouvernement ya Fifi Masuka Saini tozaki na posa ba ya to sangana toza la bomoko po pour l'avancement et la province. Nazo senga na régie ba tela nga vidéo wana ata eza koleka na kotika maloba te kasi nazo commenter. Vidéo wana na moni ndeko na biso sénateur Gabi. Sénateur Gabi ndenge ba benga kaye mokonza banzoi. A sali quand même effort ya ko découvrir ba chantier o eza ko tonga manakati ya province. Félicitations mwana mboka. Souci na biso yango wana. To yebi que tout le monde bazolo bakende ni bozo ko commenter ba vidéo ya sénateur Gabi azaki parmi bato ba finga ki mama gouverneur ya. Tozo te ya bolingo. Mama Fifi Masuka azali mutu oyo alingaka unité na kati ya province. Mama Fifi Masuka azali mutu oyo azaki koluka ke province nyonso bato nyonso bazala bomoko. Parce que na bomoko ne to longa. Nde balobaka na lingala musapi moko esukola ke longite tozaki na bato babenga maki benemi ya province tozako benga bango benemi ya province pourquoi parce que bazaki toujours ko contredire bola munyo to mama gouverneur azakosala or que batwana bazaki ba ignorant bazaki bien informé te alors les loyo ebele ba komi informé ndenge na benga kabino ke bokomi masokalisé. Donc bokoti na kati ya masokalisation ezaki slogan te ezaki façon ko benda bino boya na vision ya mama gouverneur bo comprendre que nzamba pesi biso gouverneur kaka moko Fifi Masuka Saini azali bongo mwana mboka nde to benga ka la fille aînée de l'union sacrée azana vision ya chef de l'état aza toujours na sima ya makolo ya mokonzi ya mboka pona ko soutenir ye et puis toza ko confirmer que à travers misala gouverneur Fifi Masuka za ko sala na province mokonzi mboka bilan na yo ko sala vraiment positif.
Parce que la construction est en Malélo, et en Katia Congo, et en Kobakisa, ba point, dans le point, dans le salaire, mon conjambo Kazako Sala. Donc, loi là-bas, et en soutenir mon conjambo à 100% à travers la fille aînée de l'Union Sacrée Fifi Masuka Saini. N'est-ce pas, mon bande qu'on a mis sur Bakéi, na niveau ya ko pousse na tina 200 km donc libanda ya Kolwezi ba pousse na 200 km pour na kolaki sabiso nzela wana ezangomba ngomba na de bozongo na bazo kata ya ngobongo bazo komisa ngo plat et koma balabala ya kitoko ba sala prince ya malamu po mituka eleka et banda ko longwa na kati ya centre ville et bimakati na ba intérieur ya province pour na kokende ko zwa ba marchandises faciliter ba commerçants na kobima kokende ko somba biloko na ba intérieur et puis ba yebaza na intérieur ko ya na kati ya ville province ya ya lwala ba po ba ya ko sala commerce na bango bien ba ya kote ka biloko. En tout cas idée wana eza idée moko ya kobete la maboko mama gouverneur ozali vraiment na makanisi malamu ya kosunga mokonza mboka. C'est pourquoi bon mona ki natika ki ba vidéo wana ya sénateur Gabi et puis bazaye mon côté baza ko travailler na président Dadi. Président Dadi azali bongo président ya jeunesse ya Grand Kasai en tout cas topesi merci na bino po na mosala boza ko sala tango zo sala visibilité ya mama gouverneur Fima suka ba travaux na ye koza ko marquer MB parmi baye bazako kanisa ke misale zo salimate parce que baloba ki trop na lola ba musale sala makate et lelo ta soki oza ki ko critiquer na yo ke misale zate lelo lokola yo moko misu ne moni o tatoli eza mabete. C'est pourquoi on a passé bino félicitations mais comme conseil nde konanga bala sima soki ba pesso information il faut oloka overfier yango parce que to betela bino masolo oyo banda kala ke na lola ba fima suka za ko travailler mais mingi baza ko ndima te mais lokola lelo boko mondima eza lokumu ya nzambe et puis eza lokumu ya musala oyo mama fifi masuka asa ko sala na kati ya province to beta pe li solo ya avenue Tchata ezali avenue oza ko salema pe eza na quartier salemi na quartier jolie cité ezali bongo na territoire ya Mutata. Donc tozo beta li solo ya avenue Tchata Sakapumba. Tchata Sakapumba ezali bongo avenue oyo eza na quartier ya jolie cité na territoire ya Mutata. Yango pe ba travaux eza ko salema makasi vraiment accélération eza makasi par rapport ya ndenge mwa ba retard ezwa makina saison ya mbula ndenge na utukoloba depuis kaka misala ezongeli vraiment tozo mona vitesse ya misala tozonga na régie pour tota la vidéo ya suka avant to clôturer émission na biso. En tout cas, j'ai dû un grand merci à l'équipe technique à Ivana Tandabeton. Tous ont une image, tout à la commentaire. Il y a Cordon Josué Muyumba dans la vidéo. Il y a Misa Leza Kosalema na venu Tata. Merci beaucoup. Les peuples lwalabe, soyons vigilants. Nous faisons un match, nous faisons la mise. Avec la fille aînée de l'Union Sacrée, Fifi Masuka Saini Beton. Et suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Chilombo, béton. Vive, vive, vive Fifi Masuka. Le bon choix de l'Olande, c'est Fifi Masuka. La bâtisseuse de l'Olande. Grâce au savoir-faire de la gouverneure intérimaire du Lualaba, l'avenue Tchata Sakapumba du quartier Jolicite dans le territoire de Mutata est revêtue d'une nouvelle robe. L'entreprise Muska Engineering a procédé à la pose de la couche d'enrobé sur ce tronçon qui mène vers le pont portant le même nom. Motif de satisfaction pour les habitants de cette partie du Lualaba. Ces Lualabais saluent la qualité du travail effectué sur terrain, mais aussi la ferme détermination de Marie-Thérèse Masuka Saini de doter ses administrés des infrastructures viables, selon les orientations du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui tient au changement d'image de la province du Cobalt. Pendant ce temps, l'entreprise Muska Engineering poursuit avec la construction des voies de canalisation des eaux. Merci Mingi na baenyo surtout bolandi biso na mulayi pe na mukuse. Merci Mingi et puis bon retour na province na mama gouverneur Fima Suka Saini na délégation nyo surtout ba compagnie qui est na séjour na ye na kati ya province ya Okatanga. Na pesi merci na équipe nyo surtout o elanda qui ou bien ya compagnie qui mama
gouverneur Fifi Masuka Nakati à Lubumbashi, na milulu wana et Salimaki. Et là, je vois présence et la ministre Lydia Kapapa. Merci maman. Merci na honorable Kaumba Roy Philippe Azaki Pewana présent Nakati à milulu yango. L'homme de Mouchacha, merci beaucoup à toi. Na petit merci na maître Thierry Mujinga Sambumba. Maître Thierry Mujinga Sambumba. Merci beaucoup à toi. Et na petit Kabo Yawati Pama. Merci à toi maître. Nzambi abate le bino nyoso pour la confiance bozo pese biso na kati émission congolais ya solo na bosanité ko pesa. Merci na Dirkab Babi notre directeur ya cabinet. Les DIRCAB, les professeurs John Toka. Merci beaucoup, papa. Merci à son excellence, monsieur le secrétaire exécutif, papa Kabeya Kalasa Archimède. Nzambi Abatelayo. Merci à ma membre Union Soyasika, ya gouvernement provincial, ba ministre Union Sotuna, ba commissaire, na Pesibino, Bambote Nabino Ebele, na Bosanité, maître Jean-Pierre Kaboya Watipama. Maître Thierry Mujinga Sambumba, merci beaucoup à toi. Merci na maître Trésor Mamba, liste ya gouverneur Fifi Masuka. Merci beaucoup à toi. Merci na ingénieur Walami Nampia, les cordons. Na Santa qui vraiment Moussala Ndenge Salimi na mupanzi ya IDPS. Merci na Toton Kabamba. Merci na Jeko Beyati Lejelu. Bino nyonso tout na pesi bino bambote Nzambe abatela bino. Merci na Dominique Timbele, Joseph Kaloubi, les grands combattants. Bon, continuez toujours à soutenir maman gouverneur Fifi Masuka Saini. Ils allaient pour l'avancement, il y a province. Ils allaient pour soutenir mon conseil, la vision naïe parce que voilà, ma ministre les a consolés, ma paix les a commandés. Na pesi merci Nzambe Oyo à pesi qui bise autant il y a causé la libération à Bino et puis Kobo ça n'a été que toujours na sima et bafar de ces nabiso toujours à soutenir Bango. Côte ça pour na baignon c'est tout s'est mobilisé pour na koluka moyen ya kokoma na est na biso ko kende ko tala mapinga ya mboka na biso Nzambe abate la Bino, Nzambe abate la Congo, Nzambe abate la province ya Lolaba. Tokutani na prochain numéro ce qui est azongité. Bye bye. Les peuples lolabé, soyons vigilants. Mufungwa macho, fongo la miso avec la fille aînée de l'Union sacrée Fifi Masuka Saini béton. Et suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton. Vive, vive, vive Fifi Masuka, les bons choix de Lualabe, c'est Fifi Masuka, la bâtisseuse de Lualabe.